Bonsoir. C'est tout le monde à son mot à dire, c'est la fête de la musique. C'est les mots. And me to groove, and my friend are gonna try to move your feet. Woo! I say hi, I'm on the mic, and I like to say hello. I do the black, to the red, the red, and the brown, to the purple, and yellow. I'm gonna touch you, girl. Bang, bang, to the boogie, boogie, boogie. Say hop, jump, to boogie, 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 bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop. Come on, everybody, let's go to the top. You're so body, bring my voice, I'm gonna try to sing along. And then I'm right, come on. Let you see, you'll stand me wise. Hey, I'm 6 foot one and I want to say that I want to make your mouth your feet. I say, ah, hey, want to walk and I'd like to say hello. Hey! Hey, check! Bro, check, brother! Bro, check! Hey, check, frère! Magnifique bataille de rap! Bravo, Gwenny! Thank you! Bravo, Régis Glan! Thank you, friends! Voilà, une fête de la musique qui démarre bien! Ah, ça y est, reparti! Bienvenue, dis donc. Mais j'ai 55 ans. Bien, tu les fais pas. J'ai 3 enfants. Regardez-moi ce que je fais. Bien sensé. Ouais. Bravo, papa. Ah, on se régale. C'est la fête de la musique. Et on va jouer au profit de la maison des femmes aujourd'hui. En effet, unité de soins du centre hospitalier de Saint-Denis, la maison des femmes soigne et accompagne les femmes en difficulté ou victimes de violences. Aujourd'hui, elle accueille entre 60 et 90 femmes par jour. Elle a assuré près de 15 000 consultations en 2023. La Maison des Femmes propose un parcours complet de soins, ainsi qu'un accompagnement social et juridique pour mener concrètement les patientes vers la guérison et l'autonomie. Elle œuvre également pour la prévention et la formation dans le domaine de la prise en charge des violences et promeut les valeurs d'égalité et de respect. Pour en savoir plus ou faire un don, allez sur le site www.lamaisondesfemmes.fr. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en reparler à la fin de l'émission. Bravo pour ce rap extraordinaire et cette battle. Arnaud Ludouin, Bruno Guillon. Ah, vous avez bluffé, hein, les gars. Vous l'aurez compris, dans la mesure où nous sommes dans une émission spéciale pour consacrer à la fois le début de l'été et la fête de la musique, nous avons donc convié sur ce plateau deux candidats guest, puisque ce sera au profit de l'association que nous venons d'évoquer. Camissaire d'un côté et Florian Gazan de l'autre. Yo, bro. Pour jouer avec Camissaire, on a choisi Valérie Bègue et Bruno Guillon. Et pour jouer avec Florian, Vanessa Ferry et Arnaud Gédouin. Allez, maintenant, on joue ensemble pour cette belle cause. Place à la manche. La manche, c'est l'alphabet à thème. Florian, on va commencer avec toi. Puisqu'on parle de la fête de la musique, la culture hip-hop qui a fêté ses 50 ans en 2023 est mise aujourd'hui à l'honneur, vous l'aurez compris. On ne lui rend pas service. Hein. On va pas, on est vraiment désolé pour cet anniversaire. C'est-à-dire qu'on est les rappeurs, mais combien coûte Frein à main en 92 hein, c'est, On est resté bloqué la même année que les fringues. Il y a eu une sortie de route, on ne va pas se mentir. Bon, Florian, le thème est hip-hop. Hip-hip-hop. Top, c'est parti avec Laura.
Hop, 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 manière d'épeler hip-hop dans l'émission culte de Sydney. H-I-P, H-O-P. Oui. Le B, boîte à rythme humaine, venu tout droit de la culture beatbox. Hip-hop. Arnaud, oui, la beatbox. Le C, les rappeurs ont décidé de lui mettre la visière en arrière. Casquette. Oui, le D, vous l'avez tous en avant. Le breaking le sera à Paris dans quelques semaines. Florian. Le quoi? Le breaking le sera dans quelques semaines. Ah, discipline olympique. Merci. Le E, Arnaud, film qui a valu à Eminem l'Oscar de la meilleure chanson originale. H, Miles. Miles sans S, ouais. C'est très bien aussi. Ah oui, d'accord. Le F, se donner un coup de main quand on se salue dans la street. Vanessa. Faire un check. Oui. Le G, mode d'expression où on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Graphe. Oui. Le H, une bonne paire de baffles sur le ghetto blaster. Au parleur. Oui. Le J, tube de House of Pain qui nous fait encore sauter au jump plafond. Jump around. Oui, oui, c'est bon. Le L, comme l'univers bling bling de certains clips avec limousine et chaîne en or qui brille. Florian. Luxueux. Arnaud. Luxueux, oui. Oui, Vanessa, je ne sais plus qui. Le M, la queen of hip-hop soul qui a fait le show à la mi-temps du Super Bowl. Yeah, on va dire Mary J. Blige. Florian, oui. Le N de Brooklyn au Bronx, c'est le berceau du hip-hop. New York. Yeah, man. Le O du streetwear en mode XXL, Vanessa. Oversize. Oui, le R. Dans le genre, on peut dire que c'est une sorte de fusion entre le hip-hop et le reggae. Ragamuffin. Oui. Oui. Le S, faire queener la galette sur la plaquette. Scratchy. 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 On l'a pris, sister. Je te l'ai pris, ton scratchy. J'adore Florian Gazan, il a un t-shirt exactement à sa taille. C'est du Supra XXL. C'est un Florian. C'est un duvet. Florian, pour ta tante, tu as l'emplacement 3. Ah, merci. Mais j'y vais. Hein. Ben oui, tout est oversize dans le monde du hip-hop. Non, non. Vous avez trouvé le seul t-shirt moulant du milieu, quoi, sérieusement. Bien, 15 bonnes réponses pour l'équipe de Florian. C'est bien 15. Mademoiselle Serre, Camille de son prénom. Oui. Ready? Yeah. Le thème est rap. D'accord. Parce que hip-hop ou rap. Ouais, bien sûr. On a coupé. Évidemment. C'est parti avec la lettre A. Dispositif qui donne une belle voix, même à ceux des rappeurs qui n'en ont pas. Autotune, oui. Le B, Bruno, des concours de flow en rappeur, oui. Le C, le MC, en est le maître. Cérémonie. Valérie. Yes, darling. Le D, une série sur les bases du hip-hop-hop-hop. En France, s'appelle Le Monde de... Domino. Non. De Démon. De plus. Damien. Non plus. Mais enfin, de Damien. Ouais. Oui. Allez, on continue. On revient sur Camille, qui est du Nord. Avec le E, Camille, album du groupe I Am, sacré disque d'or. Ouais, bah ouais. Écrit. L'école du micro d'argent. Merci Bruno. Ouais. Valérie, le F, l'équivalent étincelant des victoires de la musique, mais pour le rap. Les flammes. Ouais. Oui. Ça, je savais. Le G, un style que l'on trouve cool, in the gang. Gangsta rap. Oui. Le K, il a dédié Marley Gaumont à ses petits patelins paumés pour qui personne n'a jamais rappé. En effet, c'est Camille. Valérie, le M, l'empereur Claude du rap français. MC Solar. Oui. MC. Le N, sorte de Starag pour les pépites du rap. Nouvelle école. Camille, oui. Le O, d'après lui, vous n'avez pas les bases. Basique, simple, basique. Oui, Orelsan. Le P, des paroles qui clashent dans les textes de rap, Valérie. Des punchlines. Merci, des punchline. Camille. Le Q, Bruno, année de la première de l'émission de Fred Musa, Planète Rap, à la radio. 92. Non. 93. Non plus. 96. Oui, 96, ouais, Camille, on l'embrasse. Le R, comme le poète, le rappeur les manipule à la lettre. Les rimes. Oui. Le S, des échantillons qui passent en boucle sur les morceaux de des rap, samples. Valérie. Oui, c'est samples. Valérie. Oui, mais c'est bon. Collectif de rappeurs marseillais chantant en bonne rythme. On vous l'a pris. Fin de la manche, égalité pour Florian et Camille. Un point pour tout le monde. Et tout de suite, c'est le jour du mime. On part mime.
mimer d'abord avec l'équipe de Florian. Tu vas les mimer. Est-ce que vous grimpez sur scène, vous faites confiance Je peux pas avec ma housse de couette. Arnaud, vous venez ça, vous avez deux bons comédiens autour de vous. Allez, j'en mets un. Yo. 1 minute 30, dis-moi faire deviner à vos camarades. Ouais. Vous êtes chaud, vous êtes chaud là. Grave. C'est ça. Top, on y va. Danse. Flamenco. Excellent. Pardon. Expression. Crier, chanter, faire la cuisine, chanter sous la douche, chanter comme une casserole. Excellent. Oups. Ah. La boulette. Excellent. Ah. Métier du spectacle. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Chef. Baguette. Chef de baguette. Quoi? Chemise. Queue de pie. Zizi. Braguette. Chef de braguette. Chef de braguette. Ouais. Qu'est-ce que toi, Arnaud Gidouin, avec une... Qu'est-ce que c'est? Un homme. Homme d'orchestre. Ouais. Bah dis donc, ça suffit pas. Groupe de rock. T'es tout petit. Groupe de. Bébé brune. Excellent. Ah. Objet obsolète. Des timbres. Des... Quoi? Ah, un tourne-disque. Un objet obsolète. Obsolète. Un manche-disque. Excellent. Oh là. Un instrument de musique. Un saxo. Un saxophone, un tuba, une clarinette. Un boomerang. Un didgeridoo. Oui. Oh, putain. Pardon. Un film. Vas-y. Les choristes. Excellent. Oh, un jeu. C'était quoi? Évidemment, il n'a pas eu le temps de faire son mime jusqu'au bout. C'était les chaises musicales et c'est plus vite la réponse. Oui. Bravo Arnaud, c'est très bien joué. En orchestre. Oui, bonne réponse à égaler ou à battre. Ouais, sauf que, excusez-moi, qui vient mimer. Madame Bonnec, il a mimé la boulette, mais vraiment comme une. Et nous, avec Valérie, en fait, venez vous asseoir deux secondes. Venez vous asseoir. Allez, on va lui montrer. On va vous montrer ce que c'est qu'une boulette. Okay. T'es prête? T'es prête, Kefta? Allez, balance le sang! Parce que ça fait si rien comme un. Vous êtes trop fortes, les filles. Épatant. 8 bonnes réponses à égaler ou à battre. Super. Chez les rouges. Qui monte? Va envoyer Bruno. Allez, c'est Bruno. Waouh. Vous avez 1 minute 30 et 10 mois à faire deviner. Top, c'est parti. On cherche une chanteuse. Oui, c'est à moi. Maria Carré. Edith Piaf. Alizé. J'aime les sucettes d'Annie. Oui, c'est France Gall. Expression. Vous avez changé vos voix, les filles. Oui. Pister dans un violon. Oui. Allumer un violon. Excellent. Jouer. La boîte à meux. Excellent. Ouais. Musique classique. Musique classique. Samba. Les...
Allez, un prêtre. Oui. Un orchestre. Ah, non. Ah, le tambour. Un gitan. Ah, bah oui. Des cymbales. Un prêtre. Ah, oui, flamenco. Ah, le boléro. Oui, c'est boléro. Le boléro, bravo. Chanson. La guitare, Gypsy King, ça me démange. Ah, c'est la guitare qui me démange. Excellent. Bravo. Instrument de musique. La flûte avec. La flûte traversière. La clarinette. Oui, ah, bravo. Joué. Émission de télé. Ah, les enfants, l'école des fans. Oui, oh, mais quelle énergie. Genre musical. Est-ce qu'on peut baisser la voix de Camille? Genre musical. Rock. Oui. Oui. Film. Genre. Grease. Ah, c'est quoi? Non, non, c'est pas ça. C'est. Non, Dirty Dancing. Ah oui. C'est pas Podium, non? Oui, Podium. C'est le dernier personnage de BD. Personnage de BD. La caisse à caisse. Florian, 10 bonnes réponses pour Camille. Camille, Florian, pour l'instant, vous avez un point. Et Camille, vous en avez 3. S'il vous plaît, place à la manche 3. La manche 3, c'est une manche consacrée à la musique classique. Enfin, un peu d'ordre dans tout ce chaos. Nous sommes amusés à détourner des titres d'œuvres de musique classique. Oh, ça fait plaisir à tout le monde. Des ballets, des opéras. À vous d'en retrouver le titre original. On va commencer avec le premier détournement, les voyelles à Émile. Ah, les voyelles à Émile. Les voyelles à Émile. La lettre à Élise. Oui, mais oui, il n'y a pas besoin de voir. Ben alors, on est sur un détournement. Faut poser. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. C'est parfait avec la voix. Autre détournement. Votre train n'est jamais parti. Pardon, excusez-moi. Crac pistache. Ah bah oui. Crac pistache. Casse-noisette. Oui. Ah, bien joué. Le balai de Tchaïkovski. Crac pistache. C'est pas le même truc. J'avais dansé quand j'étais à l'école, j'avais dansé en ballet, casse-noisette. Moi aussi j'ai dansé. Maintenant les casse-bonbons, c'est pas la même chose. Bon, on continue maintenant, casse la pistache, mais on va sur le couronnement d'avril. C'est nous ça. Le couronnement d'avril, c'est pour les bleus. Le sacre du printemps. Le sacre du printemps. Bien sûr, c'est facile. Stravinsky, 1913. Bien sûr. Évidemment. On continue avec le pipeau merveilleux pour les rouges. La flûte enchantée. Oui, l'opéra de Mozart, 1791. C'est le pas de quatre. Nous sommes à égalité. Nous allons donc maintenant vous départager avec le dernier détournement. Et nous avons Tagada, là les vaches qui rient. Bah oui. La chevauchée des Valkyries. Ah ouh. Mais bien sûr, oui, Bruno. Bravo. Bien joué. Vous allez me prendre cette place. Wagner, évidemment. Merci. Bravo. Fin de cette manche. Petite avance de la part des rouges qui remporte les 3 points. Total, Florian, tu restes avec 1 point. Camille et son équipe sont maintenant à 6 points. On continue de fêter la musique, c'est la manche 4. On va jouer aux associations et je vais vous citer des titres de films qui sont des biopics ou des films s'inspirant de la vie de célèbres chanteuses. À vous de retrouver dans la liste affichée le nom de l'actrice qui incarne chacune d'elles. D'accord. On va commencer avec vous, Florian. Voici vos actrices. Vous allez jouer avec Sveva Alviti. Oh, oui. Commence bien. Bah, déjà, oui. Jeanne Balibar. Ouais. C'est un meuble, non? Ouais, Jennifer Hudson. Ouais. Marisa Abella. C'est qui? Renée Zellweger. Oui. Angela Bassett. Bette Midler. Oui. Valérie Lemercier. Ouais. Et Marion Cotillard. Ok. Alors, Florian. Et Marisa Abella en dessert. Pardon, excuse-moi. Top, on y va. La môme. Marion Cotillard. Toujours à vous. Judy. Oui. Judy. Judy, c'est Renée Zellweger. Excellent. Barbara. Barbara, c'est Jeanne Balibar. Oui. Tina. Tina, c'est Angela Bassett. Excellent. Aline. Valérie Lemercier. Oui. The Rose. Bette Midler. Oui. Respect.
Jennifer Hudson. Oui, Dalida. Zveva Alviti. Voilà. Oui, le dernier, Back to Black. C'est un gâteau. Vous allez jouer maintenant avec des chanteurs et des musiciens. Voici votre liste de chanteurs et musiciens. Il y a Chadwick Boseman, Austin Butler, Eric Elmosnino, Rami Malek, Reda Kateb, Ludovic Touzi, Jérémy Régnier, Rachid Bengawal, Forest Whitaker, Boubacar Ngouni, Théo Christine et Léopold Crampard. Et Val Kilmer. Et Pascal Planchard. Top, on y va. Clo-Clo. Camille. Clo-Clo, c'est Jérémy Régnier. Excellent. Ouais. Bohémienne Rhapsody. Rami Malek. Ouais. Oui. Elvis. Austin Butler. Ouais. Oui. Et là. Bird. Ah bah voilà. Ah. Bird. Chadwick Boseman. Non. Bruno, Clo-Clo. Oui. Clo-Clo. Jérémy Régnier. Oui. Bohémienne Rhapsody. Rami Malek. Oui. Elvis. Austin Butler. Oui. Bird. Forest Whitaker. Oui. Gainsbourg, Vie et Rue. Eric Elmosnino. Oui. Excellent. The Doors. Val Kilmer. Oui. Get On Up. Get On Up. Chadwick Boseman. Oui. Django. Oh. Reda Kateb. Oui, le dernier suprême. Théo Christine. Oui. Pour Camille, 9 bonnes réponses, un carton plein pour Florian. Vous récoltez chacun 4 points supplémentaires. Florian, vous partez en finale avec 5 points et Camille, 10 points. Bravo! Ce sont donc Camille et Florian qui vont se retrouver en finale. Ils vont jouer dans un instant, je vous le rappelle, pour l'unité de soins du centre hospitalier de Saint-Denis, la maison des femmes qui soigne et accompagne les femmes en difficulté ou victimes de violences. Merci, merci Arnaud Gidois. Merci Maëssa Ferry, Valérie Bègue, Bruno Guillon. Des bisous à Sylvie. Et quant à nous, à tout de suite. La finale pour cette spéciale fête de la musique, de tout le monde a son mot à dire. Je vous rappelle que ce sont donc Camissaire et Florian Gazan qui se retrouvent face à face. Vous aurez 3 minutes. Bonne chance. Olivier, on peut faire notre petit check avant ? Fair play ? Évidemment. Ouais. Eh ben, on en a pour 10 minutes. Non, 3 minutes, je vous le rappelle. Nous allons commencer par la première lettre de l'alphabet, le A. Et au terme de la manche précédente, c'est Camille qui avait le plus de points. C'est donc elle qui prend la main. Attention Camille, le A s'est affiché. C'est parti. Mode de lecture d'une playlist qui se fait au hasard. Aléatoire. Oui. Le B, le duo de rappeurs coach dans The Voice Big cette Flo année. Et Oli. Oui. Le C, coupe de pantalon large en haut et serrée en bas au nom de légumes. Carotte. Oui. Le D, il peut être dur, de frein ou d'or. Dur. Avec un D. Dur, le diamant. De frein, le disque. Ah oui. Florian, le E, jouer une œuvre musicale. Jouer une œuvre musicale. Oui. Effectué ? Exécuté. Exécuté, oui. Camille, le F, orchestre composé de cuivre et parfois d'instruments à percussion. Philharmonique. Une fanfare. C'est bien, on oubliera. Florian, le oui. G, prénom du célèbre violoncelliste, frère du violoniste Renaud Capuçon. Grégory. Gauthier. Non, Grégory. Camille, le H, magicien de légende et titre d'un tube de Dua Lipa sorti à l'automne dernier. Houdini. Oui. Le I, pays dont toutes les pièces d'euros ont pour motif une harpe. Italie. Irlande. Florian, le L, chanteur de On the Road Again, il a reçu une victoire d'honneur de la musique en février. Lavilliers. Oui. Le M, petit instrument servant à marquer la mesure quand on répète un morceau. Quel est cet instrument qui marque la mesure ? Métronome. Oui. Le N en solfège, note valant un quart de ronde.
Noir. Oui. Le O, gâteau, chocolat et au café au nom lyrique. Opéra. Oui. Le P, star de la chanson à l'affiche des films L'Arnaqueur et plus récemment Les Complices. Une star de la chanson, mais qui est donc également quelqu'un qui fait de la comédie, c'est Paradis. Vanessa Paradis. Ah oui. Camille R, qualifié un DJ régulier, fidèle à une discothèque Résident. En particulier. Oui. Le S en scène sportive où les Rolling Stones ont été les premiers artistes étrangers à jouer en 98. Stade de France. Oui. Le T, groupe de musique originaire de Corrèze qui a annoncé sa séparation cette année. Trois cafés gourmands. Oui. Le V, autre nom donné au disque 33 tours depuis qu'il est de nouveau tendance. Vinyle. Oui. Le Z, danse antillaise qui peut rapporter au minimum 22 points au Scrabble. Le Zouk. Oui. Le A, instrument à cordes entre le violon et le violoncelle. L'alto. Oui. Le B, interprète de La Superbe qui a pour initiale bébé. Interprète de La Superbe. Pelé. Non, Biolay, hein. Biolay, Benjamin Biolay, bébé. Florian le sait, le nombre de secondes que dure un concert d'une heure trente. 5 400. Ouais, Camille, le D, symbole musical, souvent confondu avec le croisillon du hashtag. Le jazz. Exact. Le E, synonyme de drapeau, cité dans la parole de la Marseillaise. Oui, les danses. Ouais. Oh, mais ça, c'est très, très beau. La finale est gagnée par Camille. Bravo, ma chérie. Soins du centre hospitalier Saint-Denis, la maison des femmes, qui, je vous le rappelle, accompagne les femmes en difficulté ou victimes de violences tout au long de l'année. Merci à tous mes amis qui étaient là. Merci à Sido, bien sûr. Bravo pour le travail, brother. Et quant à nous, on se retrouve très vite, bien sûr. Nous reprendrons là le cours normal de le programme, comme disaient les speakerines. Bonne soirée, tout de suite, c'est la vie. N'oubliez pas les paroles. Et vive l'été et la musique. What?